place, on demande le consulat d'Algérie à Montréal. Nous réitérons notre soutien aux Algériens et surtout avec la répression et le véritable visage montré par le pouvoir algérien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de blessés, beaucoup de membres de la coordination nationale à Alger qui sont blessés, hospitalisés. Et nous dénonçons cette stratégie du chaos et nous réitérons toujours notre appel à la communauté internationale afin d'intervenir, afin de faire pression pour ce pouvoir qui commence vraiment à entrer dans une politique dangereuse et répressive et qui risque d'emporter l'État algérien. Donc nous réitérons, et c'est important, à la communauté internationale, principalement les États-Unis, l'Union européenne et tous les partenaires algériens, tous les partenaires de la politique algérienne et principalement donc, sur le plan économique, afin de pression faire sur l'Algérie pour faire entendre la voix des démocrates. Donc aujourd'hui, nous maintenons notre pression et notre soutien au peuple algérien.